Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur le live du jour de la semaine. Donc mercredi 5 mai, aujourd'hui ben c'est soirée moule frites. C'est pas ça? C'est soirée moule frites une fois. Hein? J'espère que vous êtes tous sonnés pour vous donner rendez-vous ce soir. Du coup, je ne sais pas si je le fais bien, l'accent belge, mais écoutez, j'ai fait pourtant des efforts. Oh putain, c'est pitoyable. Bon, alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, allez, on va reprendre notre sérieux. Bienvenue sur le live d'IB Déco. Donc, aujourd'hui, bon, effectivement, nous allons parler de moules, mais des moules silicone. Des moules donc pour créer vos moulures, pour embellir vos meubles et objets. Et comme d'habitude, ce sera Charlotte qui sera aux commandes, on va dire, enfin, surtout à la pratique. Et moi, je resterai à la régie, comme les grands. Ça fait bien de dire à la régie. Hein. Comme les grands, je suis pas sûre. Comme vous. Donc, voilà, bienvenue à tous. Hein. Alors, je ne sais pas si… Moi, je ne vois pas pour l'instant. Oh, si, il y a déjà énormément de monde. Mais je ne suis pas inquiète. Hein, comme Isabelle, coucou Wilfried, Fred, Elodie, Cathy, Alex, Lolo, Pascal, voilà. Michel… Monique, pardon, pas Michel. Mais Michel Fusaillère. Liliane, Cocotte, Odile, Fred, Lolo, mais ils se sont répondus, il me semble, Sandrine, Anou. Enfin bref, on est déjà 71. Voilà. Bonsoir à tous. Le rendez-vous joie est attendu avec impatience ou je l'espère. Oui, s'ennuie. Voilà. Vous ennuyez les longues soirées, je veux dire les longues soirées d'hiver, non, quand même pas. On arrive au printemps et voilà, on va pouvoir ressortir bientôt. Enfin, on peut déjà ressortir un peu plus, mais enfin voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Pour nous, enfin moi j'ai quand même eu un début de semaine assez compliqué. On a eu de la visite, là, des gens qui sont venus en atelier, il faut les supporter. Oups, merci Charles. Mais c'est mieux dans le… Oui, c'est bien, c'est bien. Enfin, je ne sais pas, ceux qui nous suivent, vous savez que j'ai dû supporter hier et il est revenu aujourd'hui. Il en demande. Il en demande. Il n'a pas compris. Pourtant… Explique quand même aux gens qui ne comprennent pas de quoi tu parles. Voilà, donc on a un chantier peinture. On doit reloquer une salle à manger, enfin la table et six chaises et les deux grandes rallonges. Et bah, comme on est un petit peu surbooké, comme d'hab, on s'est dit tiens, et comme on sait que Wilfred, comme on sait que Fred travaille bien, enfin Wilfried aussi, hein, comme on sait que Fred travaille bien et qu'il est juste à côté de chez nous, et ben on a crié help. Et puis il est venu, comme toujours, voilà, il répond présent quand on a besoin et ça pour ça. Pour nous, pour voilà, c'est génial. Donc, merci Fred, je te taquine. Bien évidemment, c'était un plaisir de te recevoir. Voilà, vous avez les explications. Bon, ben, on va se mettre. Et Monique qui dit, et devinez ce qu'ils ont mangé à midi. Des frites. Avec une fricadelle. Sans les moules. Un américain, parce que chez nous, voilà, c'est un américain. Une mitraillette. Une mitraillette en Belgique. Il me semble que c'est ça. Monique. Là, vous savez, un sandwich avec quelque chose dedans et par-dessus des frites. Comme si on n'avait pas ça avec le pain et puis de la mayonnaise et une bonne bière. Hein? Allez, allez, je vous bascule. On y va. À tout de suite. Hop, oh, ben, Ah ben, c'est vite fait. Hein. Voilà, donc moi, je suis là. Donc, j'espère que je vais être bien calée. Si besoin, de toute façon, vous me dites, hein, comme d'habitude. C'est bon. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur une planche. J'ai déjà tracé un cercle. L'idée, c'est que je fasse un peu comme une couronne de fleurs avec nos moules. Donc, j'ai prévu plusieurs moules, j'ai prévu plein de petites choses. Je ne pense pas qu'on aura le temps de la finir aujourd'hui parce que c'est quand même un travail assez long. Je pourrais, moi, évidemment, en une heure et demie, je pense, la réaliser. Mais là, avec les explications, les tests que l'on va faire ensemble, ça risque d'être un peu plus long. Je vais voir si je peux dézoomer. Non, je suis à fond. C'est limite, hein, le cadrage. Il touche juste bien ça. Donc, ma planche est bien carrée. Vous la voyez un peu rectangle, mais voilà, on vous a expliqué la fois passée. Parce qu'on a réglé l'appareil photo pour qu'il nous paraisse plus mince. Mais ça le fait pour tout. Donc, aujourd'hui, de quoi on parle? On parle dans un premier temps de la résine. On va parler de la pâte. Hop, elle est sortie déjà de mon sachet Zip. On va parler de la pâte classique de chez Darwi. Je vais vous redonner les caractéristiques, tout ça, il n'y a pas de souci. Juste, je ne pourrais pas revenir exactement en détail, mais j'ai un
Déjà, il y a un premier live qui a été fait au mois de novembre pendant les lives en folie. C'est pas net, je vais éteindre. C'est pas net, attends. Hop, vous me direz si c'est, si c'est mieux. Normalement, j'ai fait la mise au point. J'ai déjà fait un live là-dessus, le sujet complet, vraiment que sur la pâte pendant le mois de novembre, pendant les lives en folie. Et normalement, le descriptif sur le site est ultra complet. Par contre, si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à les poser. La résine, on va en parler également. Je vais aussi vous parler, je vais en déballer un, de ces nouveaux moules dont on ne vous avait encore jamais fait la présentation. Donc, ils sont sur le site, bien évidemment, depuis quelques mois. Mais on n'en avait encore jamais eu l'occasion d'en parler. Et puis, bien sûr, on utilisera les moules redesign. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vraiment, le réglage est bien fait au niveau de la l'image. Voilà, je pense qu'il faut que je mette des canettes. Hop. Voilà, bon, on va commencer par la résine parce qu'après, je vais principalement travailler avec la pâte, mais pas que. Je vous montrerai qu'il y a des fois où je préfère travailler avec la pâte, il y a des fois où je préfère travailler avec la résine. Alors, ça dépend de quoi ? Ça dépend de plusieurs choses, ça dépend du moule, mais ça dépend aussi de ce que je veux faire. Donc ça, je vais tout vous expliquer. La résine, elle se présente en plusieurs conditionnements. Moi, là, j'ai le conditionnement 500 grammes. Vous avez le 1 kg et on a aussi rentré le 2 kg. Donc, la résine, comment ça se passe ? Donne-moi de... Je peux avoir des petits gobelets pour mettre mes différents composants. Donc, je le rappelle pour les nouveaux, pour ceux qui ne le savent pas encore. Quand vous nous achetez un kit de résine, comme ça, enfin, un lot de résine... attends, je vais faire la main. Ça, t'as pas nettoyé ton matériel, tu peux le dire. Non, mais il n'y en avait pas des jetables en carton ou en plastique. Ça, c'en est pas ça. Je voudrais deux pour mettre mes composants. Donc, comme d'habitude, la résine, vous ne la secouez pas, vous la mélangez, ou ouais, au pire, donne-moi un comme ça. Délicatement. Et donc, quand vous achetez de la résine, on vous offre toujours un kit. Dans le kit, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez les deux seringues qui vont vous servir à faire vos proportions, une paire de gants et on vous offre aussi deux spatules avec. Hop, alors, bonsoir à tous. J'ai quitté mon poste, donc je n'ai pas vu passer les messages, mais je suppose que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les reposer. Vous êtes répondu entre vous. Donc, le moule que j'utilise ici, c'est la référence 0875. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais de toute façon, on va le faire, donc vous le verrez après. C'est des petits anges. Il est super beau. Par contre, celui-ci, en général, de toute façon, tous les moules de cette catégorie-là, je préfère et je vous conseille de les travailler à la résine. En grand, tout au moins les grands. Après, on verra. Non, enfin, même les petits. Travailler les résines, c'est ce qui sera quand même plus simple. Et celui-ci, par exemple, attendez, je vais juste hop, vous zoomer pour vous montrer ça. Voilà, c'est bien. Je fais une mise au point. Hop là. Ouais. Vous voyez, cette partie ici, c'est ultra, ultra fin et c'est en plus très, très, très flexible. Ça, la pâte, clairement, c'est impossible de le mouler. Pourquoi ? Vous allez écraser votre pâte, donc ça va plier tous ces petits morceaux. Vous n'aurez jamais quelque chose de nickel et de net en faisant ça à la pâte. Préférez la résine pour ça. Dis-moi. Je fais juste un petit coucou à mon fils. Ah, coucou mon frère. Voilà. Donc, la résine, deux composants, le composant A, le composant B. Contrairement à la résine époxy, celle-ci, on la mélange à part égale Non, bah, je dis des bêtises. Si, c'est ça. On la mélange à part égale, pas au poids, mais à la contenance. Ben, y a Chantal qui dit qu'elle a utilisé à la résine et le rendu est magnifique. Voilà, la résine, vraiment, pour ces moules-là, à mon sens, le top du top. La pâte, plus sur les redesigns, etc. Il y en a certains dans ceux-là. Attendez, je vais peut-être dézoomer. Ouais, je vais dézoomer. Je vous rezoomerai s'il faut après, hein, de toute façon. Il y en a certains dans cette gamme-là que vous pouvez très bien utiliser avec la pâte. Mais vraiment pour la facilité, cela, la résine, et on est tranquille. Donc, dis-moi. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Nanou de La Braise, qui est nouvelle et qui est curieuse de découvrir la résine puisqu'elle ne connaît pas. Ça, c'était la première chose. Et il y a Pascal qui demande, la pâte, quand elle est ouverte, on peut la garder combien de temps ? Alors, ça dépend de comment tu la conserves. Donc, moi, j'en ai derrière qui sont en sachet zip. J'ai encore la roque que j'avais utilisée au mois de novembre. Moi, je la mets dans un sachet zip, je la garde au frigo. Le seul petit inconvénient, je vais dire, de la garder au frigo, c'est qu'après, elle devient quand même
pâteuse en surface parce que tu as toute l'humidité avec le frigo, etc. ça qui ressort. Ah, ça sèche au frigo. Non, elle est dans le sachet vide. Elle est dans son sachet plus le sachet zip. Donc, elle va être un peu collante au début quand tu vas commencer à la malaxer, mais après, aucun souci. Moi, je te dis, elle est là depuis novembre et elle est encore nickel, nickel. Bisous, mon fils. Bon courage. Bisous, mon frère. Oh, il a fini demain, lui, ça va. Ah, il y a Brigitte Rosy Rose aussi qui est nouvelle. Hein. Bienvenue, Brigitte. Alors, excusez-moi, je papote, j'ai oublié de mettre les gants. Donc, toujours, hein, mettez les gants. Je vous ai dit une bêtise il n'y a pas longtemps, je suis désolée. Sur le nettoyant pour les pinceaux, il est préférable de mettre des gants quand même. Alors, ça ne m'a pas abîmé les mains, mais ça m'a enlevé toute ma peau morte, on va dire. Ça a déroché tes mains. Ça, ouais, c'est ça. Ça m'a nettoyé les mains. Derrière, j'avais une belle peau de bébé. Donc, pendant deux jours, j'ai eu la peau un peu sèche, mais rien de dramatique. Ça m'a pas, j'ai pas attrapé de réaction particulière. Alors, bonsoir à Oussali Alaya. Tu y es arrivé, bravo. Qui est sur YouTube. Qui est sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez aussi effectivement nous regarder sur YouTube. Donc voici là, Alaya, si tu es nouvelle, merci de nous préciser. Voilà. Ça n'a pas d'incidence, mais c'est juste pour te saluer et te souhaiter éventuellement la bienvenue. Cela dit, je souhaite la bienvenue à tout le monde. T'en as pas un autre quand même, s'il te plaît? Un quoi? Un comme ça. Encore? Ah non, aujourd'hui, c'est là. Aussi, là. Ouais. Ouais, je suis désolée, j'ai pas bien nettoyé mon matériel. Mais ça suffira. Ce sera bien plus pratique après d'avoir le bec verseur pour moi verser dans les moules. Et bien évidemment, je ne vais pas le laver maintenant parce que vous savez que la résine n'aime pas l'eau et j'aurai une réaction pas terrible. Donc, je préfère que ma résine soit un petit peu sale. Je l'avais senti, Wassalia. Wassila. Ça doit être comme ça, Wassila. Excuse-moi, hein, je n'ai pas l'habitude. Puis moi, je ne vois pas le commentaire. Bienvenue dans l'équipe et voilà, donc super, super. Tiens, ouvrez-moi avec les gants, j'arrive pas, s'il te plaît. Donc, pourquoi je mets mes composants dans deux récipients? Tout simplement pour pas avoir besoin d'aller chercher avec ma seringue dans ma résine. C'est vraiment pour que ce soit pratique. Hop, voilà. Donc, je prélève. Je vais prendre... Alors, si vous voulez savoir combien de résine vous devez faire, chose que Charlotte n'a pas calculée avant, non. Idéalement, vous mettez de l'eau dans votre moule. Ou de l'eau dans votre seringue et vous venez remplir. C'est plus simple comme ça, moi, je trouve. Oui. Vous mettez de l'eau dans une seringue. Vous mettez, par exemple, 10 ml. Vous faites ça la veille. Oui, pour que le moule, après, soit bien sec. Vous mettez dans votre seringue 10 ml. Vous remplissez votre moule d'eau. Vous voyez combien il vous reste dans la seringue. Vous faites la soustraction. Vous savez combien votre moule contient de liquide. Bon, il faudra peut-être mettre 3 seringues. Hein. Vous mettez de l'eau et vous comptez le nombre de seringues. Et... Voilà, donc là, j'ai pris 6 ml du composant B. Donc moi, comment je retiens les composants? Parce qu'après, forcément, le reste, je viens les remettre dans mes contenants. Le B est brun, vous voyez? Donc, je retiens comme ça, B brun. Donc, je sais que le plus foncé, c'est le composant B. Et le A, c'est plus clair. Et le A jaune comme... Comme A. C'est ça. Et banane, c'est avec un B, pourtant c'est avec un P, et normalement ça devrait être c'est avec un N. C'est ça. Si vous n'avez pas compris, je peux vous répéter. Donc, hop, je mets également 6 ml du deuxième composant, et là je le fais couler contre la paroi de mon récipient, pour éviter d'incorporer trop de bulles d'air. Et tout simplement, avec ma spatule, je viens mélanger. J'espère juste que j'en ai fait assez parce que j'ai l'impression que j'ai été un peu radine pour le coup. J'ai l'habitude d'habitude. Habituellement. C'est bien comme ça, c'est mieux dit comme ça. Habituellement, je le fais dans des gobelets plus larges et donc je monte plus haut. Forcément, il y a plus de quantité que quand je suis dans un gobelet étroit. Ouais, là, je crois que je vais rajouter tout de suite parce que je vais être un peu à court. Hop, je vais rajouter 4. Donc en tout, j'aurai 10 ml de chaque. Alors, en général, on traduit vos commentaires, hein, Nelly. Donc, voilà, parce qu'elle a écrit... Ah, mais bonne, ça, pour calculer les quantités. J'ai supposé qu'elle avait oublié le mot idée.
Des brins et alsaciens, ce sont. Ce sont des robes de chevaux. D'accord. Oui, mais nous, on n'est pas. On fait rien. Hop, voilà. Donc, vous mélangez pour que votre mélange soit homogène. Vous mélangez pas trop longtemps parce que la résine prend très rapidement. Rien que. Une fois que vous avez, vous considérez que votre mélange est correct, hop, vous venez verser dans votre moule. Alors oui, les seringues sont réutilisables. Ce qu'il faut surtout, c'est pareil, vous les repérez, vos seringues. Vous utilisez toujours une seringue pour le composant A et une seringue pour le composant B. Si besoin, pour les nettoyer, vous pouvez utiliser un nettoyant nitro. Que nous n'avons pas, mais vous pouvez trouver éventuellement, quelquefois dans une grande marque, Discount qui commence par un L et qui finit par un L. Et sinon, tout ce qui est magasin pour les voitures. Ben, j'ai bien fait d'en rajouter et je suis pile poil. Style, c'est pas dans le sud, c'est à l'opposé. Sud voiture. L'opposé de sud des voitures, voilà. Allez, hop. Donc là, je n'hésite pas avec ma spatule de m'aider si je vois que j'ai des petits manques. Alors, on va préciser une petite chose parce que c'est vrai, Wassila pose une question et c'est comme ça que je m'aperçois que. Où trouver les moules baroques ? Chez nous. Donc, tous les produits se trouvent chez nous, Wassila. Maman va mettre la bannière. Voilà. Donc, je comble bien, je vérifie que je n'ai pas de bulles d'air. Alors là, apparemment, je n'en ai pas. Auquel cas, si vous avez des bulles d'air, vous venez les chasser avec une petite aiguille, tout simplement. Les bulles d'air en surface, ici, ce ne serait pas grave. Dans le fond, ça pourrait être embêtant. Parce qu'au lieu d'avoir de la résine complètement contre votre moule, vous auriez une bulle d'air, ce qui ferait une aspérité. Enfin, ce ne serait pas joli, bah, bien lisse. Ça serait un trou de verre. Quand tu travailles sur du bois, comme si le bois avait été mangé avec un verre. Oui, c'est vrai, au pire, effectivement. Bon, donc là, c'est pas mal. Il m'en manque vraiment très légèrement ici. J'ai l'impression que si vous avez une bulle d'air, ben après, vous refaites des petits trous avec une fois que c'est posé. Perceuse. Voilà. Voilà, bon, donc ça, c'est fait. On va le laisser sur le côté pour prendre. Je vais essayer de vous le laisser à l'écran pour que vous puissiez voir. Celui-ci, je ne sais plus, c'est ce qu'elle a mis, Monique. Ah, mais je suis étonnée qu'elle le sache. 875, c'est ça. Elle est trop forte, Monique. Donc, ça, j'aurais dû le mettre sur une petite plaque à part. C'est vrai, je n'y ai pas pensé, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais le laisser sur le côté, mais vraiment à votre vue pour que vous puissiez... Oh, pardon. C'est rien. Pour que vous puissiez voir quand ça va prendre. Hop, et là, j'espère juste que je ne vais pas faire des catastrophes. Voilà, je vais enlever mes gants. Je les remettrai au fur et à mesure parce que je pense qu'entre deux, je vais réutiliser la résine pour certains motifs de ce qu'on va faire ici. Mais voilà, je voulais surtout vous faire une démo. Tu veux que je remonte un poil ? Un poil. Un poil de quoi ? Un cheveu ou un poil ? Excusez-moi, je vais juste vous remonter un petit peu. Ça risque de ne pas être agréable. Hop, c'est bon comme ça ? Oui, c'est bien. Alors, Wassila, toutes les informations seront mises sur le post après avec le lien de tous les produits. Normalement, ils sont déjà. Il me semble que dans la description YouTube, j'ai mis déjà les liens. Sinon, nous contacter, Wassila, il n'y a pas de souci. Sinon, ouais, voilà, tu n'hésites pas. Je me permets de te tutoyer, on tutoie tout le monde en live. T'hésites pas à nous envoyer un message. Et de toute façon, c'est vrai que tu ne vois pas le lien. Les liens que Monique met. Elle les voit pas ? Ben non, elle les met sur Facebook, Monique. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais t'hésites pas, tu nous envoies un message sur Facebook, un mail, un commentaire sur YouTube et je te répondrai. Voilà, Messenger, tout ça, même sur YouTube, on va le voir. Ouais. Oui, le message. Hop, donc je vais juste rapprocher ça un petit peu, on voit que ça commence à prendre. Je sais un pas cheveu si vous ou voyez. Un poil, ils connaissent l'histoire apparemment. Ben, quelle est la différence entre un cheveu et un poil ? Un cheveu, tu fais ça et un poil, tu... Donc, vous voyez, ça commence à prendre. La résine s'opacifie. Dis-moi si on voit bien à l'écran, s'il te plaît. voilà. Donc, plus c'est épais, plus ça va prendre vite parce que ça chauffe plus rapidement. Plus il y a de matière, plus ça chauffe. La réaction chimique se fait plus rapidement due à la chauffe
de l'épaisseur de la résine. J'espère que c'est clair. Donc forcément, ici, c'est où il y avait les anges. Ça va prendre beaucoup plus rapidement que le reste. Donc ici, moi, le but, c'est de faire un peu comme une couronne de fleurs. J'ai sorti plusieurs moules. Donc, j'ai encore des petites spatules ici. Donc, ne me demandez pas... Sur un thème floral. C'est ça. Ne me demandez pas les noms exacts, je vous avoue. In the garden. In bloom. Non, in bloom, je ne l'ai pas pris. In the garden, celui-là, je crois. Ou c'est celui-là ? Oui, je pense. Celui-là, ça doit être in the garden. Bref, j'ai pris ces trois-là. J'en ai pris un nouveau qu'on ne vous a encore jamais présenté. Il est bien évidemment sur la boutique, mais il est super sympa. Je vais vous le montrer. Celui-ci, il n'est pas au même prix que les autres. Il est dans la même catégorie, dans la catégorie des moules redesign. Mais il fait moitié, à peu près moitié. Ouais, regardez, je vais vous montrer. Hop, attendez, je vais vous faire la mise au point. C'est bon. Voilà, vous voyez, il est trop mignon. Il y a des super... hop, il y a un petit truc là. Une super rose, là, il y a des trop belles fleurs. J'adore ces petites feuilles. Je me demande si justement je ne vais pas les utiliser, mais en résine, parce que c'est ultra fin, là, et je n'ai pas envie de me casser la tête. Et voilà, celui-ci, j'aime beaucoup. Donc, il s'appelle Watercolor Floral. On va certainement l'utiliser. Et après, ah, je ne vous ai pas montré ce que je voulais vous montrer. Alors, il y a Brigitte qui demande, est-ce que la résine a une odeur? Non. Non. Tâche-t-elle? Oui. Oui. Vous êtes de où? On est à 30 minutes de Lille. Où faites-vous vos ateliers? Pareil. Au même endroit. Donc, à 30 minutes de Lille. Merci, je vais regarder votre lien, car ça m'intéresse. Et avec plaisir. Et ben, avec plaisir. Donc, voilà, vous pouvez aller voir sur le site. On a vraiment plein d'autres modèles dans ceux-là. Il est beau, celui-là. Celui-là, je le trouve magnifique. Ouais. Et je crois qu'il est, il n'a pas encore été vendu sur la boutique et je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas bien vu. Et je le trouve vraiment trop, trop beau. Moi, j'en ai plein. Il y en a plein et il y en a encore d'autres qui devraient arriver dans un futur lointain ou proche. On ne sait pas. On attend. Donc après, j'ai prévu le Herbology. Je ne sais pas encore si je l'utiliserai, mais j'aime bien les petites feuilles. Ah oui, pardon. Voilà, le Herbology. Et comme bah, je vais vous dire, bah, j'avais zoomé, je ne sais plus pourquoi. Voilà, donc j'aime bien celui-ci, le Herbology. J'en ai pris plein, hein, mais je les utilise pas. Les bleus, on ne voit pas bien, attention. Oui, je ne les utiliserai pas tous. Hein. Celui-ci, le Leafy Blossom. J'ai pris le Butterfly parce que je me dis, je vous avais déjà montré ça une fois, mais j'aime bien prendre un papillon et le laisser sécher un peu incurvé pour faire comme s'il était en train de s'envoler. T'as plié en deux. Plié en deux, c'est ça. Donc, je l'utiliserai peut-être. Le Cherry Blossom. Alors, je me suis aperçue en voulant le prendre que je ne l'avais pas encore mis sur la boutique. Je l'ai mis tout à l'heure. Ça fait très, très longtemps qu'on l'a et je ne l'avais encore jamais mis. Il est trop beau. Donc, des petites fleurs de cerisier. J'ai aussi, hop, celui-ci, Belle Orchide, avec des petites clochettes. C'était le premier mai, c'était parfait. Mais je viens seulement de le mettre aussi parce que il n'y était pas encore. Et celui-ci, Winter Blossom, j'adore. Donc là, on est vraiment sur un thème floral. À l'occasion, on vous fera voir prochainement, on va avoir un autre thème, on va dire, de moule. Ouais. Mais on ne vous en dit pas plus aujourd'hui. Voilà, et bon bref, j'en ai plusieurs sur le côté. Si je viens à les utiliser, je vous les montrerai. La résine est quasi prise, on va commencer à travailler avec la pâte pour créer donc notre couronne florale. Donc moi, je vais mettre quand même ma planche un peu sur le côté pour pouvoir travailler ici. Donc, j'utilise la pâte classique d'Arwi. Alors, j'ai vu un commentaire tout à l'heure. Vous m'avez parlé que la pâte avait rétréci lors d'une de vos réalisations. Je vous avoue que je ne comprends pas comment c'est possible avec la pâte d'Arwi si elle n'est pas séchée prématurément. Si elle est utilisée dans les règles de l'art, il n'y a aucune rétractation et aucune fissure. Donc, si jamais vous la collez directement sur un support, le fait qu'en dessous, elle soit collée et au-dessus, qu'elle ne le soit pas, c'est-à-dire en dessous, il ne va plus y avoir d'air circulant, alors qu'au-dessus, oui, n'hésitez pas à toujours poser un linge humide dessus le temps que ça sèche, histoire que ça ne sèche pas trop vite au-dessus. Et que ça... Oui, c'est quand même mieux dans tous les cas. Histoire qu'au-dessus, ça ne sèche pas plus vite qu'en dessous. Voilà, ça, c'est la petite astuce. Alors, il y a Isabelle Gallo qui est nouvelle. Alors, bienvenue Isabelle. Et faites-vous des moules pour plâtre? Alors, ces moules-ci peuvent être utilisées avec du plâtre, du savon, de la bougie, même en alimentaire. Oui. Alors, quand vous les utilisez pour l'alimentaire, vous ne les utilisez que pour l'alimentaire. Après, vous pouvez les réutiliser pour la pâte, mais pas dans l'autre voilà, sens. Voilà, de l'alimentaire, vous pouvez basculer vers le loisir créatif. Le loisir créatif.
mais on ne va pas passer du loisir créatif vers l'alimentaire. Voilà, donc je malaxe toujours bien ma pâte, même si elle a l'air bien mélangée, etc. Vous la malaxez pour bien activer tous les composants. Et à Brigitte, qui est à 30 minutes de Lille, de Lille Louée, alors je ne sais pas où elle se situe. Eh bien, écoute, Brigitte, bien, on est voisine. Voilà, et n'hésite pas à mettre ton bled, ton patelin. Enfin, la ville où tu habites. Et la patroque. Alors, la patroque a exactement les mêmes particularités que la classique d'un point de vue rétractation et fissure. Elles ne fissurent pas toutes les deux. Elles sont toutes les deux naturelles. Elles sont véganes. La roque est légèrement plus dure. On va dire qu'elle a quasiment la dureté du marbre une fois sèche, contrairement à la classique. Mais la classique reste quand même très, très dure. Tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, pendant les lives en folie, on avait commencé une couronne de Noël. J'ai voulu décoller la couronne, j'ai pas réussi à décoller et je n'ai pas cassé mes supports. Elle est là-bas, je crois, quelque part, mais il y a trois fleurs dessus. Hein. Donc voilà, j'ai bien malaxé ma pâte. Elle n'a pas bougé depuis Noël. Non, elle n'a pas bougé depuis novembre. Voilà, on avait commencé à faire ça. Vous souvenez, je vous avais montré qu'on pouvait laisser un peu dépasser. Bref, c'est collé, je n'arrive pas à les décoller. Elles n'ont absolument pas fissuré alors qu'on les a collées tout de suite. Écoutez, je vais, parce que l'éclairage. Ouais, je vais vous zoomer, je vais faire une mise au point. Et fais comme ça un petit peu. Hop, la mise au point est bonne. Donc, comme vous pouvez le voir, elles ont été collées immédiatement. On les avait collées en live ensemble. Hein. Elles n'ont pas du tout fissuré. Ah, c'est Chantal, elle est là et elle dit que c'est ce qu'elle a fait. Elle les a collées le lendemain. Ah, elle est de Douai, Brigitte. Ok. Oh. Bon, donc. Vous pouvez, si vous le voulez, utiliser un peu de talc dans le fond de vos moules pour démouler plus facilement. Moi, je vais avoir tendance à le faire légèrement quand j'ai vraiment des choses très fines et encore au mieux, je travaille à la résine, je préfère. Mais c'est rare que je le fasse. Donc, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Attendez, je vais juste regarder. Hop, bah, la résine, on est bonne. On va la démouler tout de suite. Angéline demande si sa commande est partie. Non, demain. J'ai reçu donc, tu peux rajouter quand j'ai... Vas-y. J'ai reçu le reste. Donc, ce qu'on fait quand on démoule la résine, je vais vous zoomer le temps que je fais et cette petite oui, opération. Voici là, nous livrons à travers la France, en Europe et plus si besoin. Donc, je démoule toujours les bords en premier. Voilà, comme un gâteau, hein, je vous le dis à chaque fois. Voilà. Il tout faudra la finir pour Noël 2021. Eh bien, on va essayer. C'est pas encore sûr. Hein. Isabelle, la tienne, elle n'est pas partie, Isabelle. Non, par contre, c'est bon, Isa, ça partira demain complet parce que j'ai eu ma livraison aujourd'hui. Donc, ce qui était en cours d'appro sur ta commande, c'est OK, c'est arrivé tout à l'heure. Et je t'ai envoyé un mail, si tu peux me dire si tu l'as bien reçu. Oui, si elle a répondu sur la page sur Messenger. Donc, voilà, je vais bien vous zoomer. Je vais vous faire une petite mise au point. Voilà, vous voyez les détails, c'est impressionnant. Alors, attendez, je suis en miroir, moi, par rapport au retour. Attendez, je vais faire une mise au point encore une fois. Je suis en miroir par rapport au retour, c'est pas évident. Vous voyez tous les détails, là, c'est des harpes, hein ? Je sais pas, non. Des lyres. Des lyres. Les détails sont impressionnants au niveau des feuilles aussi. Alors, j'ai des petits points bleus dans ma résine. C'est parce que mon pot n'était pas propre. Vous vous rappelez, hein, dans le moule, au niveau de des cordes de la lyre, ça bouge, hein. Voyez. Donc, le fait... C'est pour ça que vous ne pouvez pas travailler à la pâte, mais avec la résine, c'est impeccable. Hop, je vais vous dézoomer, refaire une mise au point. Alors, la résine, elle peut aussi... Je vais juste fermer un peu mon sachet, là. Je le laisse à l'air libre ouvert depuis tout à l'heure. C'est pas bon. La pâte autodurcissante, pensez à toujours bien la remettre dans un sachet. Alors, Angéline, regarde sur le site, on ne sait pas les références des moules avec les petites fleurs celui-là et autres. Je sais pas. Ah, les autres. Monique va certainement en mettre quelques-uns. Voilà. Donc, la résine, quand vous la démoulez, elle reste flexible au départ. Vous voyez, là, c'est même ultra flexible. C'est-à-dire que si je voulais faire prendre la forme de mon manche ici, voilà, je le ferais vraiment avec beaucoup d'aisance. Aucun problème. Si vous devez le mettre sur un meuble qui est un peu courbé, aucun problème. Vous voyez, je peux faire vraiment une jolie courbe. Voilà. Ça, c'est quand même le côté pratique avec la résine. Par contre, elle ne va pas rester souple des heures. Hein. Elle va rester souple un petit peu. Plus elle est fine, plus elle reste souple longtemps. Parce que ici, par exemple, elle est plus épaisse avec les anges. Je peux moins les courber dans l'autre sens.
Alors qu'ici, c'est très fin, je peux vraiment les courber encore très longtemps. Voilà, donc ça, c'était pour la résine. Je vais laisser ça à plat. On l'utilisera certainement encore entre deux, la résine. Et je vous montrerai qu'après, ça durcit complètement et que c'est totalement rigide. Allez, on se retourne sur notre couronne. Sinon, on va absolument pas avancer. Et elle sera encore là l'année prochaine. J'ai ma pâte elle aussi. J'ai ma pâte qui a commencé à sécher en plus dans mes mains. Hop, donc, voilà, j'ai bien malaxé ma pâte. Je moule grossièrement mon empreinte. J'enlève vraiment le surplus au doigt. Et après, en principe, je finis avec ma spatule. Je vais juste vous zoomer un poil quand même parce que je pense qu'on est un peu haut là-bas. C'est bien. Une petite mise au point. Après, avec ma spatule, je viens hop, éraser comme ça. C'est normal si ça se décolle un peu du bord, surtout que ma spatule, elle n'est plus toute jeunesse. Il suffit après, hop, vous repoussez légèrement avec votre doigt. Ce qu'il faut faire attention quand vous utilisez la pâte autodurcissante comme ça, c'est que vous voyez ici, ce n'est pas propre sur le bord de mon moule. J'essaie de vous montrer ça de plus près. Hop, tout ce qu'il y a ici, c'est absolument pas propre. Et quand je vais démouler, la pâte qui est ici va accrocher et elle accroche en même temps sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous allez avoir du mal à démouler. Le plus simple, j'ai pas ma mise au point. Spatule asymétrique. Donc, je l'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, vous nettoyez bien tout ce qui est sur l'extérieur. Moi, j'ai. Alors, soit vous prenez, moi j'aime bien la petite spatule pour ça. La petite spatule asymétrique, hop, je gratte bien tout le rebord. Et si besoin, je le fais également. Oups, c'est beau aussi celui-là. Lequel ? Oui, il est magnifique. Si besoin, je le fais aussi avec le doigt. Mais il ne faut vraiment pas que vos rebords ne soient pas propres. Sinon, vous allez avoir du mal à démouler. L'avantage avec on est sur les moules redesign, les moules IOD ont un petit rebord, exactement comme ceux-là. Vous avez un petit rebord qui fait que ça ne peut pas dépasser sur les côtés. Bref, une fois que c'est moulé, je vais aller trop vite. J'avais pas du tout roulé. Je rajoute un peu de matière. Je roule. Tu vas aller trop vite. Elle se démoule facilement aussi. Pourquoi je roule? C'est pour vraiment être sûr de bien prendre toute l'empreinte. Alors, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur nos lives, vous savez que parfois aussi, je retourne le moule, j'appuie avec la paume de ma main et je reviens à l'endroit. Alors, vous voyez, là, quand j'ai roulé un peu trop fort. Ma pâte et le moule sont tellement vraiment faciles à démouler que ça a tendance même parfois à se démouler tellement facilement que ça part trop tôt. Alors, est-ce que c'est bien d'utiliser le rouleau acrylique? Ah ouais, moi j'adore. On va dire oui, sinon on ne l'utiliserait pas, Angélie. Ah oui, si le rouleau acrylique, l'avantage c'est que la pâte ne va pas accrocher sur ton rouleau. Donc ça, je trouve ça bien quand même. Donc une fois que c'est fait, je décolle les bords. Hop. Bon, ma pâte avait commencé à sécher, donc j'espère qu'elle n'est pas trop déjà friable. Voilà. Et ensuite, je retourne. Alors j'essaye de vous montrer, hein, mais. Je l'aide un peu à sortir, ouais, si elle était un peu trop friable. C'est pas ultra propre au niveau de la moulure, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser, moi. Hop, et on va en faire plusieurs. Donc là, je vais un peu moins parler, n'hésitez pas à poser vos questions, Isabelle va y répondre. Et Charlotte va essayer de se concentrer. Et moi, je vais essayer d'avancer un petit peu, effectivement, sur ce qu'on doit faire. Je vais refaire un peu de résine. L'avantage du gobelet silicone, c'est que vous voyez, vous récupérez. Hop. Vous pouvez même le retourner. Oui, tous les résidus qui sont dedans, vous les enlevez et vous réutilisez le même pot. Donc là, il y a des endroits où je vais travailler à la résine pour la faciliter encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, parce que c'est très fin, mais vous pouvez aller voir le live que j'ai fait au mois de novembre. Celle-ci, j'avais réussi à la sortir à la pâte sans aucun problème. Hop. Mais voilà, là, je vais couler quelques moulures tout de suite en résine et je vais continuer de travailler à la pâte. Alors, la différence, pourquoi j'aime aussi travailler à la pâte, c'est que la résine reste flexible, oui, mais qu'à un certain moment. Alors qu'avec la pâte… Qu'un certain temps, oui. Alors qu'avec la pâte, je vais vraiment pouvoir réfléchir à quelle fleur je vais mettre par-dessus, quelle fleur je vais mettre par-dessous, les déplacer, les remettre, les faire chevaucher. J'ai un peu plus de temps de travail. Tant qu'on pose à plat, ce n'est pas gênant. Mais si on veut se faire chevaucher, voilà, ça permet d'avoir un peu plus de temps. Oh, ben là, j'ai rempli plein, j'ai fait plein de bulles d'air.
Très bien. Alors, le gobelet est sur le site. Oui. Et j'ai vu une autre question. Alors, oui, Angéline, c'était une affirmation, mais tu avais mis un point d'interrogation au bout de ta ligne. Alors, ouais. Donc, on l'a vu comme une question. Une question. Comment nettoyez-vous les moules ? Ben, on ne les nettoie pas. Non, au pire, quand je les utilise avec la résine, je ne les nettoie pas du tout parce que la résine ne laisse pas de résidus. Donc, c'est très propre. La pâte, ça a tendance à laisser un peu. Tout simplement, j'ai une brosse à ongles et de l'eau. Hein. Il n'y a rien de fou. Je vois que je suis hors champ, tu ne me le dis pas, toi ? Si, c'est bien. Voilà. Vous voyez, tu étais juste au bord. Donc, une fois que ma résine est faite… Si votre phrase se termine, alors je ne sais pas où c'était, elle est lancée, Charlotte, si votre résine… Bon, je ne sais pas. Hop, allez, on y va. Pourquoi ma pâte se casse et se fend ? Tu la malaxes peut-être trop. Voilà. Et donc elle reste. Il faut démouler. Il faut démouler tout de suite. Oui, déjà il faut démouler tout de suite. On n'attend pas que ça commence à sécher dans le moule, sinon elle est plus assez flexible pour être travaillée. Hop. Donc là, je vais faire cela. Alors, désolée si quelquefois, éventuellement, je réponds à côté ou si je ne vois pas, parce que je ne vois pas passer tous les messages. Bah, et nous, on ne voit pas quand vous répondez. Et je ne vois pas quand vous répondez entre vous. On ne voit pas quand c'est une conversation entre vous. On voit vraiment message par voilà, message. Voilà, donc il y a des fois, je me suis loupée ou voilà. Ma résine, je vais encore en couler un petit peu ici, dans les petites feuilles. Alors, quand il vous en reste, utilisez-la, la résine, hein, au pire… Il vaut mieux la couler dans un moule, dans une empreinte, que de la laisser dans le pot. Quoi. Hop, donc là, vous voyez, j'en mets et hop. La lumière, elle n'est pas terrible et je ne peux pas faire… Bah si, tu rallumes là. Tu crois ? Oui. Ce petit papillon, il est trop mignon. Je vais le faire aussi. J'espère que la résine va bien se faufiler dans ses antennes. Au pire, je… Je ne suis pas sûre que ce soit mieux. Dans quelle rubrique les pots silicone ? Accessoires, moules silicone. Et moules silicone, Sandrine. Donc, dans customisation et relooking, moules silicone, accessoires moules silicone. Bon, écoutez, on va en couler plusieurs. Hein. Ces petites fleurs-là, elles sont super sympas aussi. Je vais recouler une petite feuille ici. Voilà. Alors, en temps normal, si je faisais ça, si je faisais une couronne de fleurs comme ça, toute seule, posée… tranquillement et non pas en live, je travaillerai quand même plus à la pâte, comme je vous ai dit, parce que j'ai le temps de la travailler, j'ai le temps de faire mes superpositions comme je le souhaite. Mais là, en live, si je veux vous montrer quelque chose… Poil hors champ, hein. Là, si je veux vous montrer quelque chose d'un peu avancé aujourd'hui… Alors, n'hésitez pas à vous équiper d'une aiguille, d'un cure-dent, de tout ça… pour les bulles, pour aider la résine à se faufiler dans les creux des moules. Non, je ne vais pas passer pour faire ça. Et là, je vois que ma résine… hop, j'arrête. Elle est figée. Elle commence à figer. Elle commence à être visqueuse quand je la coule. Je sens qu'elle n'est plus aussi liquide. Et je sens que mon pot aussi en silicone commence à chauffer. Donc, la réaction de la résine commence à se faire. Donc, je ne vais pas aller plus loin. J'ai une bulle d'air ici. J'hésite pas. Ils sont sages, hein. C'est vrai. Oui. Voilà. Et le temps que la résine prend. Donc, je vais peut-être vous remontrer ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, ça commence à presque plus être flexible. Elle va vraiment durcir. C'est vrai que j'aurais pu l'utiliser quand même. Ça ferait beau avec des fleurs autour, non ? Ben oui. Ben, on va quand même l'utiliser. Ça devait être une couronne que de fleurs, mais j'aime vraiment beaucoup les petits anges. Donc là, ma pâte qui est sur le côté, elle est encore molle, hein, mais je ne vais plus l'utiliser parce qu'elle sera plus assez souple pour vraiment bien prendre tous les détails d'un moule. J'ai pas été super intelligente sur ce coup-là. J'ai mis de la résine dans mes trois moules, donc je ne peux plus mouler à la pâte. Ça, c'est Charlotte dans toute sa splendeur. Je vais faire une grosse ici. Là, tu peux prendre des… Ah non, tu ne veux pas. Je ne vous ai pas montré celui-ci tout à l'heure. Oups, regardez. Attendez, je vais vous faire une belle mise au point. Ah, mais si tu bouges le truc. Tu fais la mise au point et tu as bougé ton moule. Non, elle n'est pas faite la mise au point. Hop. Je l'aurais sorti du paquet, c'était pareil. Une jolie cocarde avec des fleurs. Trop beau. Mais celui-là, j'ai vu qu'il n'y avait plus parce qu'il n'y en a plus beaucoup déjà
sur la boutique qui vous a bien plu. J'ai quelques modèles qui sont déjà en rupture. Mise au point. Mise au point, pardon. Tout à fait, c'est bien, maman. Doit-on mettre la pâte au frigo? C'est mieux. C'est mieux pour la conservation. Dans un paquet zip. Ah oui, effectivement, je vois que la mise au point du zoom, elle était nulle. Donc, pareil hein, que tout à l'heure, je malaxe bien ma pâte. Après, c'est pareil. Vous voyez, si je fais ça, comme ça. Si je plie ma pâte, j'ai forcément une fissure ici. Enfin, ça va pas, c'est trop blanc. Bah, dès qu'on travaille du blanc, c'est compliqué. Hein. J'ai forcément un raccord de pâte ici. Si je viens mettre ça ici comme ça, la fissure du raccord de pâte, elle se verra. Donc, j'essaye autant que se peut. Mise au point. Encore. Autant que se peut, j'essaye de d'abord partir d'une boule nette. Vous voyez ? Oups. Ah, mais reste en bas parce que tu vas faire que ça. Hein. Ici, par exemple, j'ai une fissure dans ma pâte. On ne la voit pas parce que tu es blanc. Non, bon, bref, je vous dis, j'ai une fissure dans ma pâte. J'essaye de ne pas la mettre dans mon moule. Voilà, j'essaye de partir vraiment avec quelque chose le plus lisse possible. Mon frigo va devenir une annexe de mon atelier. La pâte, la mute, c'est vrai, Wilfried. Hein, nous, de toute façon, on a de l'électroménager que pour ça, hein, que pour notre atelier. Il y a tout ici. On pourrait y vivre à l'atelier. Le sèche-cheveux, l'appareil à raclette. Le fer à repasser. Le fer à repasser. Le micro-ondes à l'occasion. Donc là, j'enlève vraiment je lisse au maximum. Hop, et là. Alors, plus vous allez vite avec votre spatule, plus ça va être efficace pour éraser sans trop faire bouger. Ah. Ouais. Bah, tu vas. Ouais. Comme quand tu tires une nappe d'une table. Si tu vas vite, l'épilation aussi. Ou l'épilation. Si tu enlèves vite la bande, ça fait moins mal que si tu vas doucement. Hop. Voilà. Et j'ai tendance à venir après le refaire dans l'autre sens. Comme ça a tendance à la replacer. En partie, du moins, à sa place. Je n'ai pas compris ta question, Jérôme. Ah, la mute, c'est mieux au vrai. Au frigo, au frais. Ah, au frais. Jérôme, on se connaît bien. Tu traduis ? Je traduis. Voilà, donc là, tous les petits moules sont en train de prendre. Je ne sais pas si vous les avez à l'écran. Mais voilà, la résine est en train de figer. Bon, je ne sais pas si vous voyez, je suis quand même vachement efficace. On a fait deux moulures. Cool. Oh bah, y a la résine qui prend aussi. Bah oui. Regarde l'autre, d'ailleurs, tu peux montrer. Ouais. Bah, on voit normalement, non ? On voit pas ? Ben, avec l'éclairage, non. Vous voyez, c'est en train de... Hop. Attendez, je ne suis pas sûre que la mise au point se soit faite. Ouais. C'est en train de figer. Donc, au centre, c'est bien opaque. Par contre, les bords sont encore un peu translucides. Ce n'est pas assez pris pour que je puisse démouler. Donc, on attend encore un petit peu. Coucou, ma Chantal, chérie. Coucou, Chantal. Voilà, donc, bon. Oui, la mude au frais. Après, il vaut mieux, au frais qu'au trop chaud. Hein. Comme tout, de toute façon, ça ne va pas enlever de propriété si vous mettez un produit au frais. Ça ne peut que le conserver davantage. Ce n'est pas une obligation. C'est comme les œufs, quand vous les achetez, ce n'est pas obligatoire de les mettre au frais. Vous ne les achetez pas quand ils sont au frais. Moi, avant, je les mettais au frais. Je les mettais au frais. Oui. Mais voilà, ça ne va pas avoir d'incidence si vous les mettez au frais alors que ce n'était pas nécessaire. Alors, Sandrine, si tu as tendance à creuser avec la spatule, c'est soit la spatule, déjà la spatule n'est peut-être pas assez large. Pas assez large. Tu vois, moi, j'essaye de prendre toujours une spatule qui fait plus large que mon motif. Voilà. J'en ai une petite ici. Je ne vais surtout pas utiliser cette spatule-là. Je vais avoir tendance à être de biais. Si on bouge un peu l'appareil photo, ça ne sera pas... Oups. Ah non, ça je peux le faire là, pardon. Non, c'est pareil. Ça change. Dès qu'on travaille du blanc, de toute façon. Donc, voilà, là je vais commencer à démouler. Donc, soit ta spatule n'est pas assez large et après tu appuies trop sur le côté qui est à l'intérieur du moule. Il vaut mieux favoriser d'appuyer ta spatule côté bon. Bord. Là, ce que je fais, c'est vraiment pas glamour, mais j'humidifie un peu mon doigt avec ma langue. Et je nettoie les bords. La pâte est vegan. Donc, vraiment pas toxique. Donc là, vous voyez, j'ai de la pâte sur les doigts. Ça ne me dérange pas de passer un petit coup de langue. J'évite ce doigt-là. Je vais plus lécher le majeur, mais voilà. Wassila qui demande si on vend le rouleau. En général, on vend tout ce qu'on présente, Wassila. En général. Sinon, on précise. Donc oui, le rouleau acrylique est disponible sur la boutique.
La joie, c'est pas... Alors, je vais essayer de vous le montrer. Ça va pas être évident. Mais c'est des petits détails qui ont leur importance et j'essaye de vous les montrer. Vous voyez, ici, c'est bien propre. J'ai bien fait le bord. J'appuie ici, ça se décolle tout seul. Par contre, ici, j'ai encore un petit peu de pâte qui dépasse sur mon moule. Donc, quand, hop, ça se décolle pas bien. Ça va parce avoir... qu'elle fait jonction. C'est ça, ça fait jonction entre la moulure et le moule. Donc, ça va avoir tendance à faire craquer ma moulure. C'est comme si vous faisiez un joint pour accorder de matière. Fin de... C'est ça. Et le moule, et la pâte qui est dans le moule et le bord du moule. Donc, il faut vraiment... Si j'érase bien et que j'enlève, voilà, là, je veux démouler. Tout de suite, ça décolle. Donc, vérifiez bien quand vous essayez, comme là, hop, vous essayez de faire, vous voyez que ça ne se décolle pas bien. C'est que votre bord de moule n'est pas propre. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je regarde si Monique a répondu, a bien répondu à Candiline, qui demande le moule avec papillon et fleurs. C'est celui-ci, c'est le watercolor floral. C'est ça. Hop, ici, je vois, c'est pas propre. Alors, voilà. Fabienne, bien sûr, humidifie, doigts, langue, no comment. C'est ça, Fabienne, no comment. Ça te connaît, ça. Hein. Alors, je démoule tout doucement. Et après, enfumer la rose. Ça faisait longtemps, mais vraiment très, très longtemps que je n'avais pas fait de moulure. Alors, il y a Pascal Waterloo. Tu sais, Pascal Waterloo. Coucou, Pascal et Corinne. Qui te pose une colle. Mais enfin, qui essaye. Peut-on colorer la pâte? Il n'y a pas d'intérêt. Vaut mieux la peindre après. Enfin, après, il y a de l'intérêt si tu as déjà peint et que tu veux qu'elle soit... Je t'avoue que je ne sais pas. Il faudrait que je regarde la fiche technique. Après, il faut toujours faire attention on insère des ingrédients dans d'autres. Surtout là, si, les colorants, souvent, c'est soit liquide ou soit en poudre. La poudre, ce serait bien. Risque d'épaissir quelquefois les liquides et vice-versa. Mais en poudre, ce serait peut-être mieux qu'en liquide parce qu'avec la liquide... Ça aurait tendance quand même peut-être à rendre la pâte un peu collante. Donc, vous voyez ici, je peux, comme je le souhaite, faire superposer mes deux moulures. Et là, on va se dépêcher d'aller chercher nos petites moulures en résine pour que je puisse aussi... Alors, celle-là, elle manque encore un petit peu. Non, mais c'était... Je te taquinais, Pascal. Hein. C'est bien de poser des questions. Ah non, il faut. Hein. Parce que tu poses quelquefois la question de ceux qui veulent savoir et qui n'osent pas la poser. Et puis, je ne peux pas non plus tout savoir. Et effectivement, ça me permet, moi, de me renseigner et de savoir. Moi, le retour est très bien. Et en fait, je vois que le retour, par contre, sur Facebook est effectivement pas terrible. Hop. Je vais... Oh là, wow. Regardez... Attendez, je vous zoomer. N'ayez pas peur, ça va être pas terrible au début, mais je vais vous faire une mise au point. Hop. Regardez-moi la précision. Toujours pas ? Oui. Regardez la finesse et la précision ici des petites antennes de l'insecte. Je ne sais pas si c'est un papillon vraiment. Moi, j'irais plutôt un papillon de nuit. Ouais, un papillon de nuit. Voilà, vous voyez. Allez, je vous remets à votre place. Et on va se dépêcher d'assembler un peu ça. Je vais prendre les petits boutons de rose ici aussi. Hop. Donc ça, je vais essayer de faire la jonction ici avec les petits anges. Alors après, les moules seront collés au support. Donc en fonction du support et en fonction de ce que vous utilisez, vous n'allez peut-être pas forcément utiliser les mêmes colles. Voilà, vous voyez là pour faire la jonction, bah, tout simplement, je vais faire mordre la rose sur mon petit ange. Hop, ça je ne sais pas encore où je vais les mettre. J'ai un tout petit, toute petite rose ici. Ouais, c'est bien ça. Ouais, mais je la montrerai de l'autre côté, la queue est plutôt dans ce sens-là. Je viendrai faire ça. Et ben, tu peux me refaire un mélange de résine, s'il te plaît, maman. Pourquoi il en reste là? C'est normal, c'est le composant. Ah, j'avais pas vu. Non, je croyais que ça. Vous voyez ça ici, je viendrai, par exemple, il y aura d'autres fleurs. Hop, des petites feuilles. Mais ça, je viendrai bien les faire descendre un peu. Je veux pas que ça fasse que un cercle.
voyez, par exemple, ici, la petite fleur. Du genre 10 et 10 ou... Du genre 10 et 10, oui, c'est bien. Hop, je pourrais les faire chevaucher. Mais celle-là, je pense que je vais la mettre aussi de ce côté. Alors là, c'est... Il n'y a aucun problème à mélanger de la cire et de la résine. Hein. De la cire et de la résine. De la pâte et de la résine. Parce qu'après, tout va être peint. Je vais faire uniformiser le tout. Et on viendra travailler avec des cires pour patiner. Hop, là, ça me paraît bien comme ça. Donc après, on s'amuse. Il faut... Vous voyez, ici, ma queue de bouton, c'est vraiment droit. Mais si je veux, je peux la forcer à se courber comme ça. Il suffit que je la maintienne le temps qu'elle durcisse. Et donc, bah, par exemple, je pourrais, alors c'est pas forcément logique, mais je pourrais la faire tenir comme ceci. Alors, soit j'attends qu'elle durcisse, soit je la colle directement. Ou alors, vraiment, je la fais plutôt partir droite. Allez, je vais refaire quelques fleurs aussi. Bon, ce petit insecte, il viendra peut-être poser sur quelques fleurs. On verra. Hop, pour l'instant, ceux-là, je ne les utilise pas forcément. Tu as fait voir que... Hop, donc on vous parlait tout à l'heure de l'avantage du pot en silicone, c'est que voilà, d'une, ça n'adhère pas, la résine n'adhère pas, et on peut vraiment... Déformer le pot pour que la résine se décolle du support si jamais elle était un peu trop prise. Hop, voilà, attendez, j'enlève le petit... Les redesigns sont compatibles avec la résine, oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Hein. Tous les moules peuvent être utilisés avec de la pâte ou de la résine. Même les moules thermoformés qui sont en plastique. Parce qu'on pourrait dire, ben non, la résine chauffe, donc ça pourrait faire fondre le moule, absolument pas. Hein. Vous pouvez les utiliser sans problème avec la résine. Bon, j'y vais, là, moi. Oui, vas-y. Hop. Oui, j'aime bien le comme ça. Après, comme ça, je vous disais, je les utiliserai peut-être ensemble... Si on ne fait pas tout aujourd'hui, peut-être la simplicité pour la semaine prochaine, c'est de faire la suite. De finir, ou que j'ai fini la couronne et qu'on la patine ensemble, par exemple. C'est vrai, dites-moi si vous voulez voir la suite la semaine prochaine. Là, on va encore continuer un petit peu. Oui, mais... Bon, celle-là, je ne sais pas encore où je vais la mettre. Allez, je vais reprendre un petit peu de pâte. Je vais refaire une ou deux fleurs quand même. Hop, on va utiliser la pâte là-dedans, tiens. J'ai pas fait cette petite rose, on va la faire à la pâte. Donc maman, de son côté, est en train de faire un peu de résine pour que je puisse refaire quelques moulures et que Pourquoi ça aille la résine est blanche? Elle a l'air super, cette résine, elle sèche vite. Alors la résine est beige, c'est ce que vous voyez en beige. Donc elle s'opacifie en durcissant. Oups! Excusez-moi, j'ai fait tomber ma boulette. Je connais une histoire aussi, mais non, d'accord. Avec une boulette, tiens, ça doit être bon. Hop. Attention. Allez, je me dépêche. Attendez, ça, je vais le finir après. J'ai la résine qui est prise. Oui, la semaine prochaine, j'ai Angéline et Evelyne qui répondent que ça pourrait être bien qu'on fasse la suite et Sandrine aussi la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, pourquoi pas alors. Qu'on commence un projet ensemble et qu'on le finisse ensemble, c'est vrai que. Il y a des fois, j'ose pas, je vous avoue, parce que je voudrais pas que ça fasse répétition, quoi. Je voudrais pas que vous disiez, elle s'est pas cassée la tête, elle nous fait le même sujet que la fois passée. Alors que moi, je trouve ça intéressant, justement, de l'avoir commencé ensemble et de le finir ensemble. Puis clairement, moi, ça me permet de finir mes projets aussi. Parce que j'ai pas toujours le temps. Juste une petite précision, quand vous mettez vous coulez la résine dans le moule, il vaut mieux qu'il en manque un peu. Plutôt qu'il y en ait trop. Parce que si vous en mettez trop, ça va faire un effet de bombé. Et ça va être compliqué pour mettre votre moule bien à plat. Pour bien le coller. Voilà, pour bien le coller. Et après, s'il y a un creux, c'est embêtant aussi parce que la colle n'adhère pas. Enfin, c'est ça. La moulure n'adhère pas. Oui, il faut le coller tout de suite quand c'est souple. Ouais, voilà. On va dire que la seule difficulté de la résine, ça va être ça. Ouais. C'est de mettre pile poil le bon dosage dans l'empreinte. Bon, alors dites-moi si ça vous plaît, au fait, cette démonstration. On a déjà fait plein de fois hein, des moules ensemble. Mais je me dis qu'il y en a toujours qui aiment revoir, qu'il y en a qui n'ont pas vu. Il y a des nouveaux aussi. Chez Quilfried, par exemple, a acheté de la pâte dernièrement. Il n'a jamais encore utilisé les moules. Bon, il avait déjà vu tous les replays de la page, donc je pense qu'il sait comment faire. Mais je trouve ça toujours mieux de regarder un live plutôt que regarder un replay.
Donc, pourquoi pas le faire ensemble. Hop. Donc, voyez, si vous voulez savoir à peu près combien on utilise de résine, depuis tout à l'heure, on ne fait que des mélanges de 10 ml. Donc, vous voyez, avec 10 ml, oh purée, là, j'en ai mis beaucoup trop. Aspiration. Ouais, mais avec une autre, pas avec celle-là. J'en ai certainement une avant. Vas-y, tu connais mieux ton atelier que moi. Alors, bon, ils sont d'accord parce que Chantal, elle se moque de toi. Elle dit oui, oui, comme la commode. Alice ? Ben, je suppose qu'elle parle d'Alice. J'ai pas de seringue. Ben, prends une comme ça. Ben non, je vais la réutiliser. Je vais en avoir besoin après, peut-être pour refaire de la résine. Bon, écoutez, celle-ci, elle est beaucoup... Eh ben, attendez, hop. On va faire les petits cochons. J'espère qu'elle... Ouais, elle est pas encore trop figée. Voilà. Je préfère faire ça plutôt que vraiment avoir quelque chose de trop bombé. Ça va vraiment, ça va salir mon moule, hein, clairement. Hein. Mais vous voyez tout ce que j'avais en trop. Écoute, t'as refait des moules à côté ? J'ai refait une petite fleur, une petite feuille, puis un début de rose ici. Voilà, ça va faire un peu dégoûtant sur les rebords, mais. Après la résine, quand vous démoulez, s'il y a des petits, comment dire, un petit halo autour, vous pouvez l'arracher avec vos doigts quand c'est frais. Ou même couper hein, avec un petit cutter ou une paire de ciseaux. Voilà. Allez, on n'y touche plus. Hop, je mets ça sur le côté. Chantal parlait bien de Alice. On l'a vu, Alice, dernièrement. Hein. Chantal, nous aussi, on t'aime. C'est ça. Allez, la table violon, j'ai quand même fait pas mal de parties avec vous. Hein. On a bien avancé ensemble. La table, celle-là, et la table avec les deux filles. La table avec les deux femmes aussi. Bon, il y a encore du travail dessus. Mais on a bien bossé ensemble dessus quand même. Hop. Merci Barbara qui commente depuis YouTube. Ah ben, et qui dit que c'est bien de revoir, de changer quelquefois si de support, tu vois. Ouais. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais... Non, non, mais c'est vrai que j'essaye de pas toujours vous faire la même chose. Et au pire, si on retravaille une technique qu'on a déjà vue, effectivement, j'essaye que ce soit pas sur le même support parce qu'il y a des fois, c'est vrai que vous n'arrivez pas forcément à vous projeter, et je peux le comprendre. Hein. Je fais quelque chose sur un meuble, vous n'allez pas vous projeter comme quoi on peut le faire sur une, je sais rien, sur une boîte à mouchoirs. Et inversement, je le fais sur une boîte à mouchoirs, vous n'allez pas vous projeter sur le fait qu'on puisse le faire sur un meuble. Donc, alors, je pense que c'est bien de vous montrer les mêmes techniques, mais sur différents supports. Il y a Isabelle qui demande, on l'a dit, mais peut-être que... Enfin, bref, elle demande quel est ton projet pour faire autant de fleurs. Ben, je veux faire un cadre, ça va être un petit... Voilà, donc on travaille une sur petite décoration, une planche de médium. En arrondi comme ça. On a tracé un cercle et l'idée, c'est de faire comme une couronne à plat. C'est ça. Donc, vous voyez, par exemple, si ça, je l'ai posé là. Ça ne fait pas beau ici, la jonction, ça ne colle pas. C'est... Oh, mais c'est mauvais le cadrage, tu ne me dis rien. Oh, excusez-moi. Ben oui, je suis ultra zoomée depuis tout à l'heure, ils n'ont rien dû voir. Donc, vous voyez, si je fais comme ça, j'espère que la mise au point est bonne. C'est pas beau si je les laisse ici comme ça et là que j'ai un trou, ben, tout simplement, je viendrai prendre une fleur et je la pose dessus, une fleur ou alors des petites feuilles, vous voyez. Un papillon. Enfin, on vient faire de la superposition et de l'assemblage et on s'éclate. Il y a Sybille qui dit « Et j'ai crié Alice pour qu'elle revienne. » Eh ben, elle est reviendue. Alors, non, Fred, t'as pas dû crier assez fort. Ça va finir par casser la voix. Hein. Non, mais elle est juste à côté de moi, Alice. Je la laisse sur la table. Comme ça, quand j'ai un petit moment, eh ben, je peux travailler dessus. Parce que c'est vrai que là, elle était repartie contre un mur, dos au mur. Elle était punie. Pour pas qu'on abîme ce qui avait été fait. On peut découper si la tige est trop grande. Donc, tout à fait, oui, quand c'est encore flexible. Après, vous pouvez au cutter, hein, au pire. Oui. Mais là, quand c'est souple, vous pouvez le faire au ciseau. Donc là, je mets un petit peu de talc parce que ma pâte depuis tout à l'heure est sortie. Elle commence à un peu sécher, donc elle adhère un peu plus. Donc, je mets du talc. Après, je le retourne, je le tape un peu. Alors, au cutter, si c'est devenu dur, au ciseau, quand c'est encore souple, la résine. Ouais, ça marche bien. Isabelle, elle dit qu'elle a dû s'assoupir un instant. Coucou Sylvia, j'avais pas vu que tu étais là. Hello Sylvia. Hola. 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 Hola, hola, hola. Tu vois pas dans l'état que tu me l'avais, Sylvia?
Parle doucement, vous savez pas quand c'est. Donc là, je reprends un peu de pâte. Alors, quand je reprends de la pâte, vous voyez ici, c'est sur le bord que ça manque. Enfin, j'espère que vous voyez. On va alors, il y a Z qui dit, je l'ai vue en vrai hier, elle est trop belle, Alice. Alors, ce n'est pas la Alice que tu as vue, Z. C'est la table violon. Ah oui, la table violon. Parce qu'il n'y a personne qui est venu en atelier. Non, Alice, elle est à l'atelier. Alice, c'est une… Une commode un peu galbée. Une commode galbée, elle a une forme un peu comme ça. Donc, je disais, vous voyez ici, c'est sur le rebord que ça manque, la pâte. Je ne vais pas rajouter de la pâte sur le rebord, sinon on risque de voir la jonction de la pâte. Ce que je fais, c'est que j'ajoute ma pâte au centre. Forcément, ça rajoute de la matière. Et donc, ça va pousser ben, la pâte sur les rebords, là où il m'en manque. Donc, y a Barbara... Je ne sais pas si vous comprenez l'intérêt de ce que je viens de faire. Il y a Barbara qui est sur YouTube qui nous dit, si on n'a pas de talc, de la maïzena, ça tout marche bien aussi. Bien sûr, oui, oui, exactement. Talc bébé, maïzena, toutes ces... Ces matières très, très, c'est très volatile. Ah non, je pensais que tu me disais de faire quelque chose. Non. Donc, il y a Sylvia qui est là depuis le début. Ah, bah, coucou Sylvia, super, merci d'être là. Tu m'enverras un petit message après pour me dire si tu as réussi à faire ce dont on a parlé mardi. Si tu as fait des expériences depuis mardi et si ça a marché. Si tu es prête pour vendredi. Si tu es prête pour qu'on t'invite. Alors, attendez, là, je nettoie juste un petit peu ma spatule qui commence à avoir de la pâte séchée dessus. Ouais, c'est vrai que Fred, il a flirté avec Alice, là. Hein. Ouais, il a passé des moments solo avec Alice. On ne sait pas ce qu'ils ont fait tous les deux. Hein. Je suis sûre qu'il lui a fait du rentre-dedans. Hop, voilà. Le plus gros et le surplus est enlevé. Maintenant, je nettoie bien tout mon contour. Alors, oui, l'idée, là, pour répondre à Sandrine, l'idée, c'est qu'on fait toutes les moulures, vous les mettez en place, vous choisissez leur place, vous faites ça tranquillement, enfin, tout au moins, enfin, tranquillement, sans non plus prendre 3 heures, hein, puisque... Mais après, c'est quelque chose qui peut être fait en plusieurs jours. Hein. Voilà. Et une fois que tout est en place, on va peindre et on va... Je vais d'abord décoller, je vais coller. Non, oui, une fois que tout est en place. Oui, je vais décoller élément par élément, tout bien coller, et après on peindra et on fera la patine. C'est ça. Non, mais il faut que tu précises qu'on va. Oui, ben là, on va les mettre en place, puis on va les bouger pour pouvoir les coller. Et après, on va peindre, on va faire une patine, on pourra jouer avec des dorures, on pourra jouer avec des poudres, enfin, on va vraiment s'amuser. Si je n'avais travaillé. Ça se décolle pas bien. Si je n'avais travaillé qu'avec de la pâte, je pourrais coller tous mes éléments de pâte juste avec un peu d'eau. La pâte. Et hors champ. Je suis hors champ, c'est bien. La pâte d'Haroui, les éléments de la pâte d'Haroui et de la pâte roc se collent entre eux juste avec un peu d'eau. Se collent entre elles. Les éléments. La pâte et la pâte. Les éléments. D'accord. Là, je vais juste. Sylvia a réussi. Ah, super. Là, je prends juste un peu de talc et avec mon pinceau, je viens lisser les petites aspérités qu'il pourrait y avoir au moment du démoulage. Alors, Evelyne, tu rêves, toi, il ne l'a pas terminé, Alice, il a juste regardé. Ah ouais. Non, il n'y a personne qui touche à ma Alice. J'ai vraiment envie que ce soit un projet que je fasse. Fred, avec son zgeg coincé dans le tiroir. Je ne te dis pas de qui ça vient. Bah, bien, voyons, mince. Voilà, non, bon, ça suffit. Hein. Ah, dans une braguette. Oui, regarde, il y a des taches dessus. Alors, j'essaye de... Non, c'est bien, c'est mieux dans ce sens-là. Par contre, je voudrais qu'il y en ait un plus loin, un plus loin. Alors, avec quoi on va coller? Très certainement la colle forte de chez Stamperia. Cette colle-là. C'est pas très certainement, c'est je vais le faire avec celle-ci. Quand... là, je suis tout à plat, donc je vais mettre ma colle, je vais positionner et ça va aller tout seul. C'est vrai que quand il faut maintenir courbé, c'est toujours un peu embêtant, mais là, c'est vraiment le projet facile parce que bah, tout est à plat. Alors, on va venir ici voir ce qui se passe. Mets ta main pour faire de l'ombre à côté. Ouais, voilà. Ouais, non. Oui, voilà. Et on voit bien la rose comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez qu'elle épouse la forme des boutons de rose. Allez. Alors ici, je vais attendre un peu, c'est pas encore tout à fait pris. On va démouler le reste. Donc pareil, hein, en fait, pour tester, vous savez que le centre fige plus vite que les contours.
Donc, si je pince ici, alors quand je démoule, j'appuie derrière et je tire sur les extérieurs avec mon pouce. Si ça se démoule sur les bords, il n'y a aucun souci, c'est que le centre est bien fait. Par contre, ici, vu que c'est très très fin, ça pourrait prendre moins vite. Donc, j'y vais vraiment délicatement parce que c'est l'endroit où ça pourrait figer moins rapidement. Tu vas pouvoir me donner un petit ciseau. Oh, ça s'en va tout seul. Vous voyez les petites pelures de ce que j'ai raclé quand j'ai voulu enlever le surplus. J'essaie de vous montrer. Attendez, je vais la mise au point. Voilà. Vous voyez, il y a tous des petits rebords là sur le côté. Ben, je les enlève au doigt. Hein. Je vais me dépêcher parce que si je veux qu'elle chevauche. Voilà. Regardez-moi ce petit bouton de rose là. C'est trop, trop mignon. Là, je ferai bien comme ça. Ouais, parfait. Donc après, ne nous demandez pas comment on choisit, ça vient en allant. Vous faites des moules, enfin des moulures, et vous essayez, puis vous faites des montages. Vous voyez, si ça vous plaît, Comme là, par exemple, Charlotte pourrait laisser la dernière rose comme ça et éventuellement couper la queue pour pas qu'elle dépasse. Tu sais, la queue, ouais, voilà. Ouais. Si tu décidais de la laisser comme ça, tu vois, ouais, tu prends la queue. Sinon, il faut que je mette la queue vers d'autres. C'est ça. Là, c'est pas logique que la queue soit toute seule. Merci de l'avoir fait remarquer parce que j'étais dans mon truc, j'avais pas forcément remarqué. Voilà, cette petite rose, ben hop, je viens la faire chevaucher ici. Je pense que c'est bien que je travaille et résine et pâte parce que ça fait un peu de contraste plutôt qu'avoir une grosse masse blanche pour vous. Vous voyez un peu. Et vous voyez ça là, c'est ce que j'ai raclé qui était pas beau. Et ben, je vais l'utiliser. Je sais pas encore comment. Bah si, je vais. Regarde. Tu veux voir? Oui, je vais. Je vais t'épater. Mets-toi sous la caméra, s'il te plaît. Je suis pas dessous? Ben, à peine. Hop, ça. Regarde. La petite queue, je la fais partir. Ah, finalement, tu la mets là. J'hésite. Je sais pas encore. Mais celle-là, je voudrais l'utiliser, tu sais. Ce serait dommage de l'acheter, mais j'ai pas une fleur assez grande. Donc, en fait, celle-là, je vais la garder bien à plat. Et par exemple, elle sera ici. Ah, parce qu'il y a un morceau de fleur, là. Oui, ah, oui. Et je viendrai faire chevaucher une autre rose dessus, comme ça, pas de gâchis. Et elle va me servir. Et celle-là, je vais plutôt... Ouais. On ne voit pas, là. Ah, attends. Cherchant. Oups, pardon. Je vais venir retravailler un peu de ce côté-là. J'enlève la petite rose que j'avais déjà faite. Ça, je sais pas encore. Alors, soit, après, oui, vous pouvez aimer la régularité de la symétrie, auquel cas, vous faites la même chose de chaque côté, de part et d'autre, du motif central. Ouais, moi, je suis pas... Vous savez que j'aime pas... Il faut peut-être faire une mise au point. Ouais. Attends, je pose ma petite fleur. Voilà. Mais il n'y a rien de figé. Vous voyez, celui-là, je l'avais mis là au départ. Là, fais la mise au point, mais sans mettre tes mains. Fais pas passer tes mains à ce moment-là. Voilà. Hop. J'ai encore une petite feuille. Là, elle pourra... Bon, désolée pour l'éclairage, mais quand on travaille du blanc, c'est super très, compliqué. Très, très difficile. Il y a la mise au point qui se fait, qui se défait. Et encore, on n'a pas des frises. Il y a des fois, ça fait des images figées. On va refaire une petite rose ici. On est à 1h10. D'accord, ouais. Je voudrais juste vous montrer comment je vais utiliser hop, ma petite rose là qu'on a résinée qu'à moitié. J'ai pas du tout déballé de nouveaux moules en fait. J'ai fait avec ce que j'avais. Après, ça peut être bien le... Mais moi, j'aimerais bien le Herbologie. C'est ça. Je vais vous rentrer. Celui-ci, j'aimerais bien parce que c'est plein de petits feuillages. Je pourrais me servir de petites branches pour un peu... Comme un bouquet de fleurs, il n'y a pas que des fleurs. On rajoute des... Comment ça s'appelle là? Elle dure combien de temps la vidéo ou assis là? Ben, ça dépend. Ça dépend de comment on est parti. En général, c'est plus d'une heure, ça c'est sûr. Ouais, en général, on est sur une heure. On a du mal, on est entre 1h15 et 1h30. C'est ça. Donc c'est tous les mercredis au fait. Hein, si tu veux nous rejoindre, tous les mercredis on fait un live.
Donc, tu peux… donc, tous les mercredis, 20h30, il y a le live. Sur la page Facebook, si tu as un compte Facebook, tu peux retrouver la page IBDECO. Tu as le groupe aussi IBDECO et au moins, enfin, comme ça… Et tu as la chaîne. Ouais. Sur la chaîne, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos parce qu'on ne les faisait pas avant, les lives sur YouTube. Sur Facebook, par contre, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à venir liker la page si tu on le veux. On peut voir quoi, Sandrine ? Hop. Vous voyez, là, ça a été beaucoup plus vite. Hein. Je parle moins, je m'applique, je peux démouler tout de suite. Zoom un peu. Ouais, comme ça, essaye de faire… Attends. Ouais. Vous voyez, donc là, j'ai le petit gâcher. Ah, le mou des feuilles. Elle veut voir le mou ouais. De herbologie. Je vais vous le montrer. Attendez, j'enlève juste les petites aspérités. Ça, je vais le mettre là. Oups, je décale tout. Voilà. Et Alex qui rappelle aussi que bientôt, le week-end lives. Lives en folie. Donc, pour information, fin mai, on fait un week-end de live en folie. Où par contre, ils ne seront, je pense, diffusés que sur Facebook. Je pense. Parce que vu qu'on fait plusieurs lives dans la journée, ça va être compliqué de tenir la batterie complète et on aura peut-être besoin de faire juste des lives voilà, mais facilement donc, avec notre téléphone. Il y aura 8 lives sur le week-end, Wassila et avec, enfin Wassila et tout le monde, hein, et avec des sujets différents. Et avec plein de cadeaux à gagner. Plein de cadeaux à gagner. Qui seront tirés au sort sur les commentaires Facebook. Ouais. Ça, désolée, mais on peut pas, enfin, on sait pas encore faire les tirages au sort sur les deux réseaux. Ouais. C'est pas possible, techniquement. Enfin, ou alors, on n'a pas l'astuce. Vous voyez, donc, je me suis quand même servi de cette chose qui n'était pas finie et ça va très bien se fondre dans le tout. Elle m'agace, celle-ci, parce que j'ai pas encore trouvé où la mettre et ça m'ennuie parce que j'ai trop envie de l'utiliser. De quoi ? Ta feuille ? Ma petite feuille, avant que je la fasse revenir vers le haut, comme ça, ouais. Allez. Donc là, je vais soulever, hop. Ma petite rose en pâte. C'est juste pour cacher un peu la tige. Je ne veux pas d'une tige qui vienne de nulle part. Ce n'est pas logique. Hop, je cache un peu ma tige sous ma rose. Voilà, je fais bien prendre la forme avec la pâte. Et je la laisse comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que ça commence à prendre forme. Non, mais ils l'ont dit que ça commence à devenir joli parce que ça prenait forme. Et encore, là, ce n'est pas beau parce que ce n'est pas peint. Ce n'est pas mis voilà, en avant. Mais c'est vrai qu'à l'écran, on a l'impression que tu vas faire un ovale. Hein. Ce n'est pas bête de faire un ovale, d'ailleurs. C'est vrai. Plus de portes ouvertes vu les circonstances. Ben non, Fabienne. Ça devait être jeudi. Hein, mais même si on… Jeudi prochain, voilà. J'espère que pour tes congés, ce n'est pas gênant parce qu'il me semble que tu avais posé… Ouais, malheureusement, on n'a pas encore le droit de se réunir. Mais on en fera. Hein. Ça, c'est certain. Des portes ouvertes, on en fera. On espère peut-être en septembre. Nombreux. Peut-être en septembre, tout à fait. Mais là, malheureusement, on ne peut pas. Là, je vois que ma pâte, parce que je l'ai comment dire. Ici, elle était dans une certaine position au début du live et j'ai changé de position, sauf qu'elle avait commencé à sécher. Donc, le fait de l'avoir un peu trop pliée, elle a commencé à craqueler. Je vais prendre un petit peu d'eau et je vais venir, hop, l'humidifier. Tout bouge. Est-ce qu'on fait voir les photos Ah oui, c'est vrai. Voilà, je l'ai humidifiée pour histoire qu'elle se relisse un peu et qu'elle ne. Hop, je vais même réhumidifier. Alors, si vous aimez, ça sèche pas trop vite. Si vous aimez les cadeaux, je vous invite vraiment, si c'est possible pour vous, à réserver tous les créneaux des lives du week-end. Voilà. Mais tous, hein, il n'y aura pas de petits lives, quoi. 28, 29 et 30 mai. Alors, j'espère vraiment que vous serez contents, mais moi, à mon sens, ça va vraiment être la folie, quoi. Donc, je vais vous montrer le moule herbologie. Je le trouve vraiment trop chouette et je ne l'ai pas encore, utilisé. Dis-moi si c'est bon pour le cadrage. Oui. Vous voyez, il y a plein de feuillages super sympas. Par exemple, ici, je pourrais très bien couler de la résine que dans cette partie-là. Vous voyez, ne prendre que cette petite branche, un feuillage, et venir hop, la mettre là, la mettre où je veux. Je ne suis pas obligée d'utiliser toute la grosse. Ou le bout du… Ou ça. En bas, non, tout en bas, ça, au milieu. Ça, ouais. Ça, en bas, au ça. Milieu. Oui. Ouais. Bah, tout, en fait, tout est très, très joli sur ce moule. Je trouve qu'il n'est pas mis en avant sur la plaquette ni sur les photos.
Mais il y a de quoi faire vraiment des trucs sympas. Je vais vous faire voir des photos. Alors, c'est des choses qui ont été faites il y a long. Donc, les boules n'existent pas forcément encore. Oui, déjà. Et puis, on ne travaillait qu'à plat à l'époque. On n'avait pas encore pris le truc de faire de la superposition. Là, on avait fait une frise. Tu parles de quoi ? Ben, du tableau. Ah oui. Alors, voyez. Notre colorama. Voilà, là, je vais vous faire voir un travail qu'on avait fait. Donc, il y a, oula, c'est vieux, en 2017, ouais, 2017, je crois. 2017, pour un salon. Vous voyez, là, donc, on avait fait une planche en forme. Et on avait commencé à travailler des... Je fais voir avec ma souris. À faire des assemblages de moulures. Voilà, à faire des assemblages de moulures. Et après, vous voyez, l'assemblage est fait. Donc là, la photo est un peu tournée. On commence à mettre en peinture, en fait. Donc, on a tout collé. Et on commence à faire la peinture noire. Et après, une fois que tout est peint... On a mis de la patine. Donc, vous voyez, ça, c'est la finalité. Attends, je vais juste enlever ma planche parce que ça… Ça perturbe. Ça perturbe les photos que tu mets à l'écran. Je vous les refais voir. Donc, au début, on a fait des moulures et on les a posées donc, sur une planche avec cette forme un petit peu spéciale que j'avais fait faire, qu'on avait coupée à nos dimensions dans le but de notre projet. Une fois que les moulures ont été… On a décidé des places et qu'elles ont été collées… On a commencé à les peindre. Donc là, on peint en noir. Et une fois que… Graphite de chez Anislon, tout à fait. Et une fois que tout a été peint en noir, on a patiné avec des cires à doré. Donc, il y a enfin, des cires décor. Donc, il y a de la bright gold, de la copper. Il y a plein, de chez Redesign. De la cuivre, de la doré et j'en passe. Et après, vous voyez, donc là, c'est le panneau terminé. Donc, c'était le nuancier Anislon qu'on avait créé pour un salon. Donc, le haut, c'est ce que vous avez vu en gros plan. Et après, tout le contour, bien sûr, c'est également des moules que l'on a fait. Voilà, donc ça vous donne une idée. Ça répond éventuellement à ce qui a été dit tout à l'heure. Et je vais vous montrer un autre exemple. Alors là, c'est pas un travail de nous, hein, mais c'est flagrant. Donc, vous voyez ici, vous avez une petite sellette qui a pas trop d'intérêt, on va dire, telle qu'elle est. Après, peinte, elle serait très jolie, hein, mais elle serait plate dans tous les sens du terme. Donc, après… Non, j'aimerais que tu montres le après et qu'après, tu montres le pendant. Vous voyez, donc, comment ça peut devenir avec des moules, enfin des moulures et de la peinture. Vous voyez, comme quoi ça peut être très joli. Et là, vous allez voir l'étape intermédiaire. Voilà. Donc… Vous voyez comme quoi on peut vraiment faire de la création à partir de meubles basiques, on va dire. Et voilà. Donc, Charlotte est revenue à sa place. Est-ce qu'on a terminé pour aujourd'hui? Oui, je pense quand même. Donc, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. J'hésite à zoomer ou à vous rapprocher. Écoutez, on va essayer. Zoom, c'est plus simple parce que tu es en bas. Bah ouais, parce que là, je… Attends, ça, voilà, et tu zoomes un peu et tu fais la mise au point. La mise au point, s'il te plaît. Voilà, ça c'est bien. Fais la mise au point. C'est sur les blancs, hein, on a du mal. Donc j'espère que vous allez voir, mais vous voyez, toutes mes fleurs, elles vont vraiment bien prendre forme du reste. On ne peut pas le pencher parce que c'est non, pas ouais, ça va glisser. Mais voilà, tout, c'est pas, j'ai pas posé une fleur à plat sur une autre. Non, je lui ai bien fait prendre les courbes, etc. Ici, je modifierai certainement parce que je vais être embêtée pour venir mettre une prochaine fleur. Donc, je pense que celle-ci, elle va pas aller là. Je viendrai continuer là et je la mettrai peut-être plus descendante ici. Vous savez, je viendrai remettre quelques fleurs et je changerai parce que là, j'ai utilisé vraiment que des roses. Je pense que je viendrai prendre d'autres styles de fleurs aussi. Alors, il y a Sylvie qui dit il faut avoir les bons moules. Alors, c'est pour ça qu'il faut regarder les photos, regarder des créations, puisque nous, l'avantage, c'est qu'on a bien évidemment tous les moules On sait qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des belles collections de moules ouais. aussi. Hein. Alors, ouais, je pense à Isabelle, entre autres, qui est venue tout à l'heure. Hier. Oui, hier. Donc, voilà, effectivement. Donc, après, vous voyez, vous pouvez vous inspirer de créations et après détourner un petit peu en fonction de ce que vous avez. Et faut pas croire, hein. Pardon. Ce qu'on vient de vous montrer, le colorama, ça nous est pas venu bim comme ça, claque. Non, on a réfléchi, on sait. Alors, tout a été fait en résine. Vous voyez, pour faire ça, on a calculé.
Après, sur les côtés, voilà, sur le côté, on ne s'est pas embêté. On a toujours pris sensiblement le même motif. En bas, on ne le voit pas bien, mais en bas, on reprend un des moules du haut. Quelquefois, on a fait des moulures. Alors, c'est ici, je vais le faire voir. Quelquefois, on a des moulures. Je pense que c'est… si vous remarquez, tout en haut, vous avez deux moulures en symétrie. Oui, Chantal, on a pas mal aussi des moulures. Et si je me souviens bien, on l'avait coupé en deux pour en mettre une de chaque côté. C'est exactement ça. Vous voyez, en haut, ça vous fait comme un X, on va dire. Eh bien, on l'a coupé en deux et on l'a mis de chaque côté. Donc après, il ne faut pas non plus hésiter à prendre les moules des fois à l'endroit, des fois à l'envers, de couper, de les positionner différemment et pour arriver à des résultats. Tu bascules sur toi ? Oups. Allez. Voilà, c'est fini. On est peut-être zoomé là ? Non, je pense que c'est bon. Voilà, je ne me vois pas bien parce que c'est loin. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoutez, moi ce que je vous propose, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, c'est qu'on reprenne la suite la semaine prochaine. Charlotte continuera peut-être un petit peu. L'idée, c'est surtout la semaine prochaine de… Je finirai la couronne parce que si je continue à travailler avec de la pâte, on ne va pas pouvoir faire la suite la semaine prochaine parce que la pâte, je ne vous l'ai pas dit pendant le live, pardon, 24 heures de séchage avant de pouvoir la peindre. C'est ça. Bien. Histoire de ne pas abîmer vos moulures avec votre pinceau. Pour ne pas aplatir les détails, quoi. Simplement. Donc, je vais essayer d'avancer dessus. Je vais essayer. On va essayer. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après. Mais parce qu'on a beaucoup de boulot, là. Vraiment. On a déjà beaucoup de travail. En plus, on prépare donc les lives en folie. Donc, c'est quand même un petit peu d'organisation. Entre les produits, l'organisation, les timings, tout ça. Enfin, bon, ça. En plus du travail qu'on fait habituellement. Enfin, bref. Donc, j'essaye de vous le finir pour la semaine prochaine, du moins la couronne, qu'elle soit faite, et qu'on puisse travailler ensemble sur le reste. Au centre, je ne sais pas si je vais faire quelque chose ou pas. Je ne pense pas. Je pense que ce sera juste un beau cadre, une belle couronne fleurie et patinée. On verra. Il n'y a encore rien de défini. On aurait pu faire quelque chose avant. C'est-à-dire, par exemple, mettre un papier de riz, vous savez, avec, je sais pas, des anges, enfin, ce que vous voulez, un bouquet de fleurs, et après, retravailler la couronne autour. Ça, c'est le genre de choses que vous aussi, vous pouvez imaginer et penser. C'est d'abord mettre un décor dans le fond et après, travailler la couronne autour, sachant que vous pourrez corriger avec la peinture, faire des fondus et tout ça. Comme on avait fait aussi une fois avec, c'est pas ici, je crois que c'est retourné au magasin. Les rondelles Non, avec les supports, les petits supports MDF. Les supports MDF sont en deux parties. Ah bah si, c'est ici. Nickel. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait ça en live. Hop, c'est pas fini. Hein. Bah déjà, si je ne tiens pas dans le bon sens. Voilà. C'est-à-dire que c'est en deux parties. Là, on avait fait le papier de riz. Là-dessus, j'aurais pu coller des moulures. Et derrière, on avait fait… Hop, j'espère que la mise au point est bien. On avait fait un pochoir en relief qu'on était venu patiner avec de la poudre de patine. Donc, ce que j'ai fait là sur un support double, c'est exactement ce qu'on pourrait faire sur la couronne. C'est-à-dire que voilà, je mets d'abord un papier de riz dans le fond et seulement après, je viens faire ma forme avec des moulures sur le contour. Voilà, voilà. Alors, j'ai 53 messages en retard. Je ne sais pas ce que vous m'avez raconté depuis tout à l'heure, mais je n'ai rien vu. On va regarder tout ça. Donc, on regardera le replay. On répondra à vos questions éventuellement. Mais je sais que souvent, entre vous, vous vous répondez. Donc, ça, c'est super sympa. Je vous remercie. Il y a Barbara qui dit « Oui, si les produits sont disponibles. » Ah, je ne sais pas ce que tu voulais dire. C'est pas, certainement. Donc oui, on peut livrer si les produits sont disponibles, on livre rapidement, si c'était ça la question. Et sinon, quand c'est en commande, c'est que ça arrive bientôt. Quand on a des soucis d'approvisionnement, vous ne pouvez pas les commander de toute façon. Est-ce que les commandes sont… Voilà, c'est Ou Cilia qui demandait si les commandes étaient livrées rapidement. Alors oui, vous pouvez passer commande le matin et qu'elles soient expédiées le jour même. Donc, on essaye vraiment d'être très, très rapide. Par contre, ça, c'est si vous prenez des produits qui sont notés en stock. Si c'est marqué en cours d'approvisionnement, il y a un petit délai d'attente parce qu'il faut qu'on attende de recevoir notre commande fournisseur pour pouvoir expédier votre colis. Mais on a quand même 90% du site qui est en stock. Alors, des moules, il y en a, je ne sais pas combien, il y en a beaucoup, 70 au moins, sans compter les verres.
Ah non, les petits. Il y a plus que ça. De si avec les petits, on doit être à 100, 150 moules. Les transferts, on parle de transferts, on en a plus de 160. Enfin, voilà, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir, un peu dans tous les styles, même si c'est très souvent floral. Des bisous, Isa. Enfin, merci voilà. Pour les étoiles. Merci, Isa. Voilà, donc ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Excusez-moi, c'est pas que je vous boude, hein, mais je lis en même temps les commentaires sur le PC pour pouvoir vous répondre. Voilà, bon, merci d'avoir été présent. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu de ce qu'on peut faire d'habitude. On fait beaucoup de... Enfin, ça dépend, en fait. Il y a des fois, on va faire beaucoup de petits sujets. Après, on passe beaucoup sur du meuble. Là, j'avais envie de repartir sur plutôt de la déco. Voilà. Enfin, je pense pas qu'on... On a déjà une idée de ce qu'on va faire pour les lives en folie. Ça n'empêche que vous pouvez nous envoyer des idées. Oui, tout à fait. Et un petit message privé voilà. Avec l'idée. Et... Au pire, on mettra sur... On fera un post pour ça. Je préfère que... Parce que tout va être regroupé au même endroit. Ou sur le groupe. Ouais. Et comme ça, vous nous donnez vos idées. Et même si on ne peut pas le faire en live, on le fera à l'occasion de d'autres... Pendant le week-end, je veux dire, on le fera à l'occasion d'autres lives. Bon, voilà. Sur YouTube, vous ne pouvez pas voir les réponses que vous avez du coup à vos questions sur Facebook. Mais il y a plusieurs personnes qui disent que les livraisons sont très rapides. Voilà. Bon, ben, merci à tous d'avoir été là. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a rien d'autre à dire. Réservez vraiment votre week-end si vous le pouvez. Voilà. Oui, c'est vrai que... Je suis en train de réagir. Maman, on a remarqué qu'il y a un super meuble derrière qui n'a pas encore été relooké. Voilà. Donc, merci aux nouveaux sur YouTube. Et sur Facebook. Mais sur YouTube, le souci, c'est qu'on ne voit pas vos commentaires parce qu'on a beaucoup plus de monde sur Facebook et qui répondent éventuellement à vos questions et vous ne voyez pas les réponses, ce qui est un peu logique. Bref, merci à tous d'avoir été là. Si vous avez des messages, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mot. J'ai encore de la peinture. Fred, je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais elle a de la peinture. Fred, tu m'en as mis partout. Sur ces belles paroles, ça me fait penser à... Bon, vous aurez compris si vous avez vu le film, mais je pense que c'est culte. Allez, des bisous, à bientôt. Et puis à mercredi prochain surtout. Mercredi prochain, 20h30, au même endroit. Bisous, bisous. Des bisous. Ciao.